Moi, c'est Ousmane Kouyaté. Ce voyage est rendu possible grâce à la clairvoyance et à l'initiative de M. le maire de la commune de Oulé-Sébougou, son excellence M. Niankoro Yessamaké. Et effectivement, nous nous rendons aux États-Unis, précisément dans l'état de Utah. C'est dans le cadre de la rencontre annuelle de la municipalité de Utah. Et pour nous, c'est une nouvelle expérience. Comme le Mali a un modèle de décentralisation qui est calé sur le modèle français, ça sera une nouveauté, en tout cas un nouvel horizon pour comparer les deux systèmes et également apprendre dans le système américain pour mieux utiliser ce qui est possible dans nos communautés et à leur profit également. Les bénéfices sont, à mon avis, très importants parce que en ma qualité d'administrateur de la collectivité, je suis en mesure de mieux comprendre l'administration des communautés ou en tout cas des municipalités de Utah. Je pourrais être un facteur qui va inculquer ce système-là auprès des élus qui vont en ce moment préparer ou en tout cas renseigner ou propulser cette sorte de gestion des collectivités aux populations rurales. Et précisément à Oulé-Sébougou, nous avons la chance que le maire soit quelqu'un qui est déjà pétri dans ce système-là. Et en tant que Ségal, si je suis également mieux renseigné, je pourrais prendre la relève à l'absence des maires pour que les nouveaux élus, ou en tout cas les élus qui seront là, les administrés qui seront tout le temps avec moi au niveau de l'administration communale, pour les faire comprendre l'administration autrement et rendre vraiment le service plus fiable et plus viable auprès des communautés. C'est à mon avis un acquis très important, un bénéfice qui pourra beaucoup changer le système de gestion de la communauté au niveau de la commune de Oulé-Sébougou.